The Big Game of Ski, Erwan Cario, bonjour. Mais Erwan, tu t'es encore trompé de studio, c'est pas possible. On n'est pas à Nantes ? C'est pas le bon endroit ? Bah non, c'est pas du tout le bon endroit. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on commence. Tu es là, on va en profiter. Ok, cool. C'est quoi le thème ici ? Le thème ici, on va parler de shmup plutôt, de tout ce qui se rapproche de lance-boulette. Et d'accord. De ce qui nous a marqué vraiment comme shmup. Tiens, pendant que t'es là, alors. C'est quoi ton shmup marquant à toi ? Si il faut remonter très loin, mais un truc marquant auquel j'ai pu jouer, c'est quand même Zaxxon, quand j'étais gamin, en fait, sur le Commodore 64 de la famille. D'accord, Zaxxon, tu sais que c'est quand même un soft qui est une sacrée histoire, parce que c'est une performance quelque part, plus qu'un jeu. Bah écoute, pas tant que ça, j'ai lu un petit peu dessus, mais je t'avoue que pour moi, ça restait surtout un souvenir de gamin, surtout un jeu où il fallait essayer de comprendre la hauteur qu'avait son vaisseau, parce que c'était une des premières fois où on était vraiment confronté à une fausse 3D, mais avec un gameplay en 3D, et on essayait de se dépatouiller avec ça, et voilà, ça c'est mes souvenirs, mais après si tu me dis que c'est une grosse histoire, on peut en parler plus longtemps. Ce qu'on va faire, on va lancer le jeu et on va en discuter. In the two-dimensional world of video dots and dashes, flat blips and formless blobs, one video arcade game soars a dimension above the rest. Zaxxon! Experience the control as you climb and dive. Feel the power as you attack and evade. Discover a new level of excitement with the true feel of action in three dimensions. Zaxxon, from the master design engineers of Sega. Et donc, voilà l'animal, Zaxxon. Alors, on va quand même expliquer la grosse performance que représentait ce jeu à l'époque. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, ce n'était pas donné à tout le monde de faire de la 3D, vu qu'on avait des processeurs qui peinaient à gagner les 1 MHz. Ouais. Donc, faire bouger des objets en 3D, ce n'était pas trop d'actualité. Et donc, les gens sur ce système avaient trouvé une astuce. Ouais, c'est ça, c'est une variante de la vue isométrique qu'on connaît bien, en fait. Bah oui, c'est d'ailleurs ce qui fait le nom du jeu. Zaxxon, ça vient justement du terme axonométrie, qui sert à définir justement le fait qu'on puisse représenter un objet avec assez de face pour l'imaginer en volume. Mm-hmm. Et en fait, c'est de là que vient le nom Zaxxon. Ah ouais. Alors moi, là sur l'image qu'on voit là, je crois que c'était un peu plus basique sur la version à laquelle je jouais. Hein. Bah, sur un C64, oui, effectivement, je crois que tu avais des graphismes qui étaient moins sophistiqués. Ça, c'est la version arcade qu'on a. Par contre, je crois que tu avais de la musique, toi, non ? Ouais, carrément. Je m'en souviens. Voilà, parce que moi, je m'étais fait la version ColecoVision. Et sur la ColecoVision, on s'était fait sucrer la musique, vu qu'il n'y avait pas de circuit sonore particulièrement sophistiqué. Il y avait juste un bruit de cuillère particulièrement immonde. Donc, le principe des Zaxxon, c'est éviter les obstacles, ravitailler en fuel, et puis ça on le fait sur plusieurs niveaux. Ouais, c'est ça, et alors on voit quand même, quand on remarque là, on voit que déjà, il y a éviter les obstacles, il y a tirer sur les ennemis aussi, parce qu'il y a des ennemis, il y a des vaisseaux ennemis dans l'espace. Et on voit qu'on est confronté, et je pense que tous les joueurs de Zaxxon, c'est vrai que c'était la façon dont je prononçais à l'époque, c'est un peu, on n'a jamais dit strange, on a dit strange, hein, c'est un peu ça. Donc Zaxxon, en fait, c'est gérer la hauteur de son vaisseau pour réussir à tirer sur, à mettre son vaisseau à la bonne hauteur pour passer les obstacles, tirer sur les vaisseaux qui arrivent, et on voit que c'est un casse-tête, en fait. Parce que s'il y a bien un truc qui est compliqué à gérer, c'est où est-ce qu'il est mon vaisseau, vu que mon vaisseau il change pas de taille, il y a vraiment que l'ombre du vaisseau par rapport à sa position, donc et le petit indicateur de hauteur. Sauf que là on est dans l'espace et on remarque que les vaisseaux ennemis, eux, ils n'ont pas d'indicateur de hauteur. Eh oui. Et c'était un cauchemar pour avoir, à moins évidemment de connaître le niveau par cœur et de savoir où il se passe, c'était, moi je me rappelle de moments où tu rageais un peu et tu disais mais pourquoi je ne touche pas, qu'est-ce qui se passe, comment je... Et c'était hyper dur à ce niveau-là.
Alors, je ne sais pas s'il l'avait implanté sur la version Commodore ou pas, parce que sur la version originale en arcade et sur la plupart des versions, ils étaient bien au courant du problème du passage dans l'espace, où effectivement on n'avait plus l'ombre portée du vaisseau pour pouvoir se guider. Et du coup, ils avaient remplacé ça par un subtil petit indicateur sonore, ce qui fait que quand tu étais pile en face d'un ennemi que tu pouvais shooter, bah, tu avais un petit tit-tit-tit-tit qui Ah retentissait ouais. pour te dire que tu pouvais, dans ce laps de temps, balancer un tir pour pouvoir shooter l'ennemi. Eh ben, je sais. Alors je sais pas. En même temps, moi je crois que je sais même pas si je l'emploi. Hein, donc ça se trouve c'était implémenté, mais je l'ai jamais découvert. Donc j'ai toujours galéré. Puis on voit en fait il y a des quand même des passages un peu sioux quoi. Enfin quand on doit passer entre le mur et la barrière électrique, c'était quand même très très spécial quoi. Et Quand puis tu là. vois ça aujourd'hui, tu te dis, mais comment on a fait pour jouer à ce match-là? Et en même temps, après, il est beau, quoi. Enfin, je pense que c'était plus. Il y avait une sorte de fascination graphique pour cet univers, pour le côté 3D, le côté manipuler comme ça un vaisseau dans l'espace, quand même, avec. Il y avait vraiment gauche, droite, et haut et bas. Et donc, on avait vraiment l'impression de contrôler vraiment son vaisseau, c'était assez incroyable. D'ailleurs, c'est assez rigolo comme ils ont choisi leur axonométrie. Parce que si on regarde bien, en fait, c'est pas une isométrie à 45 degrés comme on aurait coutume de l'imaginer, mais c'est bien une axonométrie à 30 degrés. Et j'ai cherché un petit peu, là, j'ai trouvé pas mal d'infos où en fait, on explique que ben, déjà, il y a un premier aspect, c'est celui de passer d'un mode borne, c'est-à-dire un écran vertical, à. Ben, adaptation sur console et micro générant de l'argent à des versions en écran comme on les avait à l'époque, donc on était en 4 tiers. Donc on passait déjà d'un profil vertical à un profil plus horizontal. Et du coup, la grosse astuce des programmeurs, ça a été de choisir ce plan incliné à 30 degrés pour justement remplir un maximum un écran qui lui se trouvait en 4 tiers. L'autre motif derrière aussi qui a été implémenté dans le jeu pour avoir ce choix d'angle-là, c'est un ratio qui est purement dû aux limitations du hardware des machines, parce que toi tu y as joué sur un Commodore 64 et ça devait être une sacrée performance de l'adapter dessus, mais de surcroît, ce soft devait être adapté aussi sur des consoles qui à l'époque ramaient beaucoup plus qu'une borne d'arcade. Et donc du coup il y avait des limitations de mémoire. Et finalement, choisir un angle de 30 degrés, bah, ça permettait d'avoir quasiment deux fois moins de définition dans les petits blocs, dans les sprites qui étaient utilisés pour représenter la fausse 3D. Et du coup, bah, on économisait quasiment 30 à 40% de la mémoire occupée par les parties graphiques qui sont très nombreuses, mine de rien, puisque rien n'est calculé en temps réel, c'est tout dessiné d'avance. Mais ouais. Et par contre, là, est-ce que. Parce que ça, je me. Enfin, dans mes souvenirs, c'était comme ça, mais j'avais l'impression qu'à chaque partie, les niveaux étaient différents. C'était ou c'est une illusion. Non, non, les niveaux sont générés à chaque partie, Oui, c'est sont ça. prévus et tout. Par contre, ce damné robot final, là, c'était quand même une horreur la première fois. Je sais pas, la première fois quand t'as dû arriver dessus, t'as dû pleurer parce que tu ne savais pas que le missile fallait le taper plusieurs fois, j'imagine. Non, oui, alors j'ai pas de souvenirs précis, mais je sais que j'y suis pas arrivé souvent en fait. Je devais être très nul ou pas très persévérant, mais je sais que j'y suis pas. Je sais que j'y suis arrivé, que j'ai dû faire même une partie où j'ai fait deux ou trois loops, mais je sais que j'y suis pas arrivé très très souvent à ce point final. Et c'est vrai que pour moi c'était un événement à chaque fois en fait. Il y avait un côté performance à chaque fois que j'arrivais au robot final en fait. C'est vrai que ça demandait beaucoup d'entraînement en fait, de jouer à ce jeu, parce que comme tu l'as dit au début, hein, l'œil humain n'est pas fait pour calculer rapidement, efficacement, sa position dans un espace en perspective de la manière dont il est présenté. En général, l'œil humain, lui, son truc favori, c'est quelque chose qui a une trajectoire verticale, qui tombe de haut en bas, là, il est super. Après, ça devient un peu compliqué dès que le mouvement, lui, devient horizontal. Et là, on a le pire des cauchemars, puisque effectivement, bah, on a le cumul d'un mouvement vertical et d'un mouvement horizontal à la fois. C'est ce qui rendait le jeu particulièrement cauchemardesque. Et comme tu l'as dit, effectivement, heureusement qu'il y a la jauge, heureusement qu'il y a l'ombre portée dans les passages, bah, dans les forteresses,
sur le sol, sinon ce serait une énorme galère. Là, on voit que c'est quand même une horreur dans l'espace à chaque fois. Et je fais partie des mômes comme toi qui ont ragé sur ce passage. Ah non, non, mais c'est clair. Après, il y a le truc qui me fait marrer là. Parce que en plus, il y avait la jauge d'essence à surveiller, quoi. C'est qu'on perdait de l'essence et il fallait donc faire attention à détruire les réservoirs d'essence pour remplir son propre réservoir, ce qui n'est pas de la logique la plus évidente, hein, au premier rapport. Mais de détruire, mais non, j'arrive toujours pas à trouver la logique, mais bon, hein, c'est, le gameplay, c'est comme ça. Et en plus, voilà, je pense qu'il y avait, quand même, enfin, il était vachement travaillé dans plein de niveaux, quoi. Enfin, je trouve que, à le revoir maintenant, je suis quand même épaté du nombre d'éléments qu'on retrouve, qui était travaillé, qui était incorporé à ce jeu-là. Et j'ai redécouvert, bah, à l'occasion de ce rendez-vous là qu'on a eu, et donc sur Zaxxon, que en fait j'avais complètement oublié, parce que j'avais jamais dû le croiser, qu'il était sorti en arcade. Et moi, j'avais aucun souvenir de la. Je crois que je l'ai jamais croisé en arcade étant gamin, parce que ça m'aurait marqué. Et je sais pas s'il a été très très diffusé en France en termes d'arcade, je sais pas. Le Zaxxon, oui, il a été pas mal diffusé, mais c'était en 1982, et donc c'est tombé pile avant la grosse crise de 83. Ouais. Ce qui fait que du coup, on n'a pas eu trop l'occasion d'en voir dans l'Hexagone, effectivement. Mais par contre, ça s'est rattrapé énormément sur les versions justement micro et console derrière. Ouais. Et ce qui est rigolo, bon, c'est que... C'est vrai que la crise de 83, nous, on l'a pas beaucoup vécu. Moi, je sais que jouant sur Commodore 64, j'ai pas du tout ressenti la crise de 83. Ouais. Et ce qui est rigolo sur le gameplay, c'est effectivement tous les détails qui sont faits pour pousser le joueur à être un peu offensif. Parce qu'effectivement, s'il va pas chercher ses damnées citernes au sol, s'il prend pas de risque, il est pas récompensé, hein, tout simplement. Et il y avait un autre détail qui était assez rigolo, dont je me rappelais plus, et qui a ressurgi quand j'ai fait une partie juste avant l'émission. C'était qu'en fait, si tu restais trop longtemps en haut et que tu descendais uniquement pour prendre une citerne de temps en temps, au bout d'un moment, tu avais un gros missile indestructible qui arrivait et qui te forçait à te plaquer au sol pour l'esquiver. Ouais. C'est fou. Et ce qui est rigolo, toujours par rapport à ce que tu dis, c'est que si on regarde la façon dont est foutu le jeu, en fait, il rappelle un autre titre qui t'a laissé des marques aussi, apparemment. Ah oui, Scramble. Parce que si on pivote la vue et qu'on la repasse en 2D, et qu'on prend le thème, on a un vaisseau qui esquive du décor, qui esquive des ennemis, et qui récupère du fuel au sol. Donc on se retrouve bel et bien dans un scramble. Alors, mais à la différence, en tout cas c'est dans mon souvenir, mais je sais pas, alors ça, le problème avec les souvenirs, c'est que je crois que dans Scramble, on avait des missiles sol-terre. Ouais, c'est ça. On balançait des missiles par terre, en fait. Oui. Et c'était la source de grandes crises de nerfs, d'ailleurs. Ouais. Puisqu'il y avait des passages complètement étriqués avec des petits missiles au sol où on savait pas s'ils allaient décoller ou pas à notre passage. Ouais. Je crois qu'en termes de jeu, qui viendra vérifier, qui peut vérifier, mais dans ma mémoire, je crois avoir beaucoup plus joué à Scramble, même si dans mes souvenirs, Zaxxon reste peut-être plus mémorable. Mais c'est vrai que Scramble avait aussi ce côté procédural. Donc chaque partie était on avait un terrain de jeu, un terrain différent, on ne savait pas du tout ce qui nous allait nous attendre. Et c'est vrai que pour le coup, c'était des jeux vraiment fascinants. Enfin, moi, Après, en plus, bon, il faut se rappeler, en tout cas pour moi, hein, qu'à l'époque, c'était pas une décision neutre, hein, parce que moi, je jouais sur Commodore 64 cassette. Il fallait quand même le bon quart d'heure à attendre que le jeu se charge. Donc voilà. Plus les 3 minutes, si c'était une compile, à rechercher à l'oreille le programme suivant. C'est ça. Moi, la première fois, moi, j'avais un ordinateur avec une compile généreusement offerte par mon oncle qui avait déjà un Commodore 64. Et nous, on avait les time codes sur la boîte de la cassette avec tous les jeux. Voilà, c'est comme ça qu'on se mettait les index, effectivement, sur les cassettes de compile de programme. Ah, oh, c'était trop bien. Et du coup, aujourd'hui, tu joues à quoi, maintenant? À tout, je serais tenté de dire. Bon, je veux dire, en genre de jeu, ou... Oui, en genre de jeu, ou s'il y a un titre en particulier qui t'a tapé dans l'œil ces temps-ci. Ah bah, moi, là, ma grosse addiction depuis un an et demi, c'est Slay the Spire.
C'est un peu compliqué de m'en sortir, même si bon, je suis revenu, j'ai réussi à limiter ma consommation à une consommation, on va dire, occasionnelle, c'est-à-dire je me limite à une partie par jour, et peut-être pas tous les jours, mais bon, ça reste quand même un jeu très très présent. Et puis bah, autrement, j'essaye de suivre l'actualité, donc c'est vrai que je joue un peu à tout. J'ai joué, alors il faudrait que je retrouve le nom, mais c'est une nouvelle, c'est sur Switch, ça vient de sortir, c'est un nouveau Picross, un mix entre Picross et un RPG, et c'est vraiment sympa. En fait, c'est fait par par des anciens d'Arkedo. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque, c'était des gens qui faisaient pas mal de petits jeux sympas. Et il y a Aurélien Regard, qui est un développeur français, qui a bossé dessus. Et il faut absolument que je retrouve ce jeu quand même, parce que si je fais de la pub pour un jeu et je donne même pas le nom, ça fait un peu pitié. Mais en gros, c'est assez une surprise, parce que je trouve ça marche très bien en fait. Grosso modo, on a une sorte de timer, on a des monstres qui arrivent et on les bat en résolvant des grilles de Picross. Ça s'appelle PictoQuest. PictoQuest, et en plus, il est vraiment pas cher, je crois qu'il est à 5 ou 6 euros. Donc, c'est sur le eShop de la Switch. D'accord. Bon, voilà. On note ça dans un coin, ça peut servir. J'en profite d'ailleurs pour te remercier par rapport à Silence on joue, à l'émission que tu as montée, et par rapport à Gâteau Roboto, je ne sais pas si tu te rappelles quand vous en avez parlé. Gâteau Roboto, un jeu tout en pixels noir et blanc où tu es un chat qui peut rentrer dans une combinaison de robots. Oui, c'est un peu foufou ça comme truc, mais c'était vraiment un jeu à la Corentin en fait. Ah, mais le truc ne paye pas de mine, mais une fois qu'on met le patte dedans, c'est grave addictif, quoi. Et ça fonctionne, excellemment, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et c'est vrai que j'ai fait la chronique du coup du jeu, et c'était vraiment un grand plaisir, parce que j'étais comme un môme. On peut pas dire autre chose. Non, c'était vraiment... C'est vraiment ce que j'aime bien faire dans Sion. Forcément, on a un podcast hebdomadaire, donc on peut suivre l'actualité d'une manière assez proche, parler des jeux à peu près au moment de leur sortie, mais l'idée c'est de pas du tout se concentrer sur les grosses sorties. On parle des grosses sorties évidemment, parce que on aime ça et c'est important quand on fait un podcast d'actualité justement, mais c'est aussi de repérer comme ça des jeux plus confidentiels, des jeux plus de niche. Les jeux indés, même si ça veut plus dire grand chose, jeux indés, mais c'est les petits jeux et tout ça, et essayer de faire découvrir comme ça des productions qui forcément où les gens peuvent passer à côté s'ils passent pas leur temps à suivre l'actualité sur le web ou sur ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est l'exemple typique de jeu que j'aime vraiment bien mettre en avant pour montrer la diversité de la production de jeux vidéo. D'ailleurs, pour la rentrée, là, il va y avoir des évolutions dans Silence on joue. J'ai remarqué que dans les dernières émissions, déjà, on avait une invitée sur le plateau qui représentait un petit peu les filles. Ça change, ça fait plaisir. Ouais. Il y a d'autres choses qui vont évoluer dans ton émission ? Alors, c'est un peu tôt pour en parler. Il y a beaucoup de choses qui changent. Silence on joue est une émission résiliente, donc qui résiste au changement. L'année dernière, on a fait toute l'année avec Binge Audio, qui est une boîte de production de podcasts, excellent podcast par ailleurs. Ça s'est super bien passé. Moi, je me suis vraiment vachement bien entendu avec l'équipe et tout ça. Bon, après, le truc, c'est que eux, leur logique industrielle, entre guillemets, a changé. Et donc, cette année, pour la rentrée, là, ils voulaient arrêter de coproduire des podcasts extérieurs. Soit. Donc, bref, là, le challenge un peu de l'été, c'est de trouver les bonnes conditions d'enregistrement pour la 13e saison de Silence on joue, donc de cette année.
Donc là, on va normalement, on va faire ça au sein des, au sein de cours à Libération, bon, tout simplement aussi parce que on est dans les mêmes locaux que RMC et BFM, donc il y aura sans doute la disponibilité de certains studios. Alors, on est en train de travailler, donc normalement, ça devrait se faire. Et donc l'idée, bah, à partir de là, c'est déjà, j'aime pas avoir trop d'ambition parce que je trouve que déjà l'ambition d'enregistrer une trentaine d'émissions par an, c'est déjà pas mal. Mais ma volonté là, ce serait aussi de. Parce que donc on a un podcast d'actu, donc on parle de l'actu des sorties, c'est d'avoir des formats d'entretien, un peu comme ce qu'on fait là, mais vraiment des formats d'interview avec des invités un peu qui viennent de partout, quoi. Enfin, pas forcément que des créateurs de jeux, ça peut être des chercheurs, parce qu'il y a vraiment une recherche sur le sujet des jeux vidéo, c'est vraiment super actif en ce moment. Ça peut être des compositeurs de musique, ça peut être voire même des joueurs, des gens de l'industrie, voilà, essayer de faire des entretiens, essayer de construire un peu d'autres formats en plus de Silence on Joue d'actualité. D'accord. C'est vaste. Et ça restera toujours sur la fréquence hebdomadaire. C'est ça. C'est le plus gros challenge, c'est ça. C'est là où j'étais content sur la 12e saison. Quasiment réussi un sans faute au niveau des. C'est pas facile. Faut tenir. Je sais de quoi tu parles. Ouais, j'imagine. J'imagine. Mais voilà, donc c'est vraiment le truc. Après ce que tu disais, oui, sur la présence un peu plus importante de chroniqueuses, ben, vraiment, je ne remercierai jamais assez Camille Suard d'avoir été assez présente cette saison. Normalement, si tout se passe bien, elle devrait revenir, devrait être là pour la saison à venir. C'est vrai que ça a été, pour moi, ça a été super important parce que je trouvais que c'était une anomalie, vraiment une anomalie de Silence on Joue, d'être à ce point déséquilibré au niveau répartition homme-femme. C'est-à-dire que, grosso modo, on était sur la trentaine d'émissions par an, on va dire, s'il y avait 4-5 émissions avec des nanas, c'était déjà pas mal, ce qui était ridicule. Enfin, pour moi, c'est... Bah, quelque part, je trouve qu'en 2019, ça décrédibilise même un format d'être déséquilibré à ce point. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Et donc voilà, avec le fait aussi à se libérer pour être là et tout ça, et puis d'avoir la présence d'autres chroniqueuses comme Mélodie Drouard qui a fait une émission, Camille Delibé qui a été là aussi. Enfin voilà, ça permet de... voilà. Après, il faut faire mieux. Parce que pour l'instant, on va dire que on est moins ridicule, on n'est pas au top. Voilà. Faut faire des efforts. Ouais. C'est l'ambition un petit peu de tout le monde, hein, dès qu'on fait un projet public comme ça, et puis il y a moyen de le faire fonctionner. C'est d'essayer d'élever toujours plus haut le bébé, parce que c'est impressionnant, quoi. Dans le même registre, il me semble que tu fais pas que des articles sur les jeux vidéo. Non. Je t'ai beaucoup croisé à parler de cette physique tout à fait élémentaire et accessible à tout le monde, qui est la physique quantique, par exemple. Ouais. Ça vient d'où, ça ? Ouais, alors, l'histoire... On va faire l'histoire courte. À Libération, j'ai un background... informatique. Je suis rentré en tant qu'informaticien à Libération, donc je suis passé journaliste en cours de route. Donc, j'ai sorte de facilité ou d'intérêt, on va dire, pour tout ce qui est techno. Donc, je me suis vraiment intéressé et spécialisé au niveau journalistique sur le numérique, d'abord, sur tous les usages numériques, les réseaux sociaux et tout ce genre d'autres choses, avec petitécran.fr à l'époque, et en plus du jeu vidéo, on va dire. Et là, bah, avec les services au sein de Libération, en fait, je suis arrivé... aujourd'hui, je travaille au sein du service ID à Libération. Donc, c'est un peu le service des intellos et des chercheurs, des philosophes, des sociologues et ce genre de choses.
pour avoir ce genre de... Après, moi, j'ai pas un background de sciences humaines et sociales, on va dire. Et c'est vrai que bah, dans ce service ID, il y avait aussi un intérêt réel pour les sciences, les sciences naturelles. Physique, biologie, astrophysique, etc. Et moi, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. Alors, j'y connaissais pas grand-chose au début. J'ai beaucoup lu, regardé des trucs sur Internet, des trucs sur YouTube, des machins, pour essayer de comprendre et essayer aussi de réfléchir à la manière dont on pourrait le raconter. Parce qu'en fait, la difficulté, la première difficulté, c'est de comprendre de quoi on parle. La deuxième difficulté, c'est j'ai deux pages d'un journal, je veux parler de mécanique quantique. Comment est-ce que je fais pour intéresser le lecteur? Comment est-ce que je fais pour qu'il arrive au bout de l'article? Parce que c'est bien beau de faire un article, mais si personne ne le lit, c'est pas rigolo. Et comment je fais pour, en plus, intéresser le lecteur sans raconter de conneries, sans sans survendre les choses, en parlant de science, c'est-à-dire pas en partant dans des délires genre la conscience quantique, la vie quantique ou ce genre de choses, mais en parlant de la mécanique quantique, la physique quantique, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait faire, pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça marche, pourquoi il faut au moins comprendre un petit peu de quoi ça part. Et voilà, le vrai challenge, et je trouve que c'est vraiment passionnant. Au niveau journalistique, c'est vraiment super cool. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça, d'avoir le temps aussi de travailler sur ces sujets-là. Et voilà. Et puis c'est cette sans paraître trop corporate, on va dire, c'est vraiment un privilège qu'on a, moi que j'ai à Libération, de pouvoir papillonner comme ça sur différents sujets, c'est-à-dire qu'un jour je peux parler d'intelligence artificielle, l'autre jour je peux parler de mécanique quantique, l'autre jour je parle de cosmologie, et puis après j'enregistre un silence en joue, et puis je fais une critique de Red Dead Redemption 2, et voilà, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je pourrais papillonner autant. Ok. Eh ben, Erwan, on va clore cette petite chronique, puisque... C'est quand même incroyable, ce Zaxon. Hein. Ouais, mais on est obligé de vendre la mèche, maintenant. On va la vendre, la mèche. Il y a que trois bouts de niveau dans ce jeu, soyons clairs. Ouais. Alors, c'est le côté un peu déceptif de le revoir 30 ans après, c'est ça, c'est 30 ans, 30 ans. 82, donc on n'est pas loin des 40. Ouais, oh là là, mon Dieu. ce que j'avais pas souvenir, moi j'imaginais vachement plus long. Alors que là, quand on voit le replay aujourd'hui, effectivement, c'est court, c'est du loop, ça tourne. Mais après, c'est vrai que quand on lit un peu ce qui s'était passé à l'époque, ça a été un vrai succès. Ça a été un vrai succès en arcade. Moi, c'est pour ça que ça m'a amusé de revenir là-dessus avec toi, parce que moi, j'ai choisi parce que c'était un souvenir marquant pour moi. C'était vraiment un truc personnel, quoi. Et de se rendre compte que c'était un énorme succès en arcade, que ça a été, je crois, c'est un des premiers jeux, ou le premier jeu à avoir bénéficié d'une campagne de pub à la télé, je crois. Effectivement, ouais. C'est un jeu qui est aussi inscrit dans l'histoire du jeu vidéo, quoi. Et je pensais, ça m'a étonné en fait. Je pensais pas qu'il avait eu une importance, une telle importance. Bah c'est surtout la maîtrise de son gameplay, puisque du coup les programmeurs ont quand même réussi l'astuce de faire rentrer le programme dans les différentes machines de l'époque, comme je disais. Ouais. Et puis c'est surtout d'avoir été capable de se dire, bon, on va prendre le jeu, on va faire trois bouts de tableau, et après on va le faire répéter. Mais comment on continue d'intéresser les gars? Parce que les gars ont quand même conçu le jeu d'une manière très subtile et intelligente pour forcer le joueur à s'investir dedans. Et ouais. Du coup, après, c'est juste une question de vitesse et de jauge de fuel qui descend de plus en plus vite. Et du coup, c'est vraiment rigolo, puisque c'est réellement au joueur de décoder le jeu dans toute sa finesse. C'est un peu plus qu'un shmup, en fait, quelque part, ce Zaxxon. Ouais, c'est ça. Après, j'ai lu qu'il y avait eu assez tôt, qui n'avait pas été battu, en fait. C'est-à-dire que le record du monde, il date des années 80. Il n'a pas été... Parce que donc il y a un score à faire remonter, hein, l'héritage de Space Invader.
Et c'est assez marrant. Donc du coup, il doit y avoir une limite de points maximale à faire. Pense que c'est lié au nombre d'objets qu'on peut shooter, et vu que le jeu ne fait qu'avancer, on ne peut jamais ralentir ou quoi que ce soit. Effectivement, il doit y avoir un cumul de points maximum qu'on ne peut pas dépasser, hein, qui est une limite physique, j'oserais dire. Et quel souvenir quand même. Enfin, moi, ça me ramène quand même super loin. Bah, Avec mon je Commodore pense que tu vas 64. aller dans le grenier chercher ton C64. Ah, il y est plus. Je pense que le lecteur de cassette, même si je le retrouvais, je crois que le lecteur de cassette, il serait plus à jour. Je pense pas. Ok, eh ben merci d'être passé, Erwan. Bah, merci pour l'invitation. Pas de souci. D'ailleurs, il y aura un autre midlife gamer que je vais tenter d'inviter, que tu connais très très bien, mais on va garder son nom secret. J'espère qu'il se sentira visé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent de qui tu parles. Oui. Bah, j'aime beaucoup Patrick parce qu'on a vraiment des affinités sur le mode 80s dans lequel il est vraiment à fond. Et c'est vraiment très très rigolo et c'est vraiment très agréable de le lire parce que il a une prose qui est très intéressante. Et du Ouais, coup, c'est bah, clair. moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser avec le lien vers Silence on joue et puis les deux playlists habituelles de The Big Gameoski, la généraliste et celle des shmups. À tout bientôt et merci Erwan, à bientôt. Merci, au revoir.